Hey! Salut, beauté. Je t'ai même pas entendu partir. Je me suis pas trompé. J'ai des papillons dans le ventre pour la première fois. C'est vraiment génial. Ça va être écœuré. Bon, ben, à plus tard. Bye. J'espère que t'as rien de prévu pour les 4 prochaines années, toi. Belda. Ah oui, c'est moi. Ah, bonjour. Madame Forêt. Qu'est-ce qui se passe? On a juste été manger. Hein? J'ai couché avec. Je pourrais peut-être me louer un chalet le temps que ça te passe. Pourrais-tu avoir une réaction, s'il te plaît? Il s'est rien passé, je te le dis. Juste un peu blasté. Je le savais, je le sentais. T'étais tellement bizarre la dernière fois que je l'ai vu. T'as toujours été un peu bizarre, hein? Ouais, c'est vrai. Toi, vous ça. Oh, moi, ça va me prendre des pilules parce que je passerai jamais à travers ça. Oh, je te jure, moi, je dors plus jamais. Imagine, tu vas te coucher, t'es toute de bonne humeur, t'as fait ton lavage pour le lendemain matin, tu t'es peut-être même préparé un lunch, pis bang, tu te réveilles plus jamais. Oh, pour vous autres, je suis désolée. Je vais aller voir en haut. J'ai trouvé ces papiers. On est-tu riche? Elle nous donne la maison. Et partout dans cette maison-là, qu'est-ce qu'on va faire? As-tu soif? On se boit-tu un petit quelque chose? Ouais, OK. Regarde sur le frigidaire, il y a toujours du vin d'habitude. Jacques? T'es-tu correct? Je vais nettoyer. Non, Marie, touche à rien, s'il te plaît. Je devrais-tu essayer? Ça fait-tu du bien? Non, ça fait strictement rien.
Des fois, je pense qu'on passe toute notre vie pour essayer d'empêcher ce maudit vide de nous aspirer. Fuck, elle peut bien être morte. Travailler, baiser. C'est-tu juste pour repousser le moment où on va se rendre compte qu'on est sec comme du bois mort? Mais voyons, Jean, qu'est-ce que tu dis là? T'es pas sec? Écoute, on a trop d'affaires dans la tête, là, hein? La cérémonie, l'enterrement. Donne-toi du temps. Ça suit un autre chemin, c'est tout. Je sais ce que ça devrait être. Comme avec Gilbert, je sais ce que j'aurais ressenti, mais je ressens rien. Je l'aimais, moi, Cécile. J'ai passé plus de temps avec elle qu'avec ma propre mère. Ah, pauvre chouette. Tu devrais dormir un peu, ça te ferait du bien. Elle n'a pas dormi de la nuit. Mourir dans son sommeil, y a-tu de quoi de plus chien que ça? De toute façon, faut que je me remette au travail, moi, là. Non, reste pour souper. Non, je voudrais bien, là, mais je suis débordée, là. Ah. Alors, moi, je sais pas comment je vais faire. Hein. Hey, j'ai mal dans le bras. Ça m'élance comme... Qu'est-ce que ça veut dire, ça, déjà? C'est pas le symptôme de quelque chose? Je sais pas. Quoi? Je suis en train de faire un infarctus. Ben non. Oui! Oui, je suis en train de faire un infarctus du myocarde, là! Ben non, t'as de la peine, là. T'es bouleversée, c'est tout. Puis t'es morte de fatigue, en plus. Es-tu sûr, là? Oui. Êtes-vous sûr? Oui! Non. Non, faut qu'on aille à l'hôpital. Pourquoi? Tes os ont crevé? Oui, allô? Salut. Je commençais à me demander. Es-tu correct? C'est pas trop dur? Oh, oui, c'est tough. Moi aussi. J'avance pas. Je tourne en rond. Je pense à toi. Je pense à Jacques aussi. Ça va pas? C'est des montagnes russes. Je sais pas ce qu'il y a, on dirait que ça sort pas. Je sais plus quoi y dire. La vie trouve toujours son chemin. Non, on rentrera pas ce soir. On a trop bu. On est trop fatigué, OK? Ouais. Tu me manques. Genre, ce que je dis, je sais pas ce que je ferais sans toi. Elle est belle, celle-là. Ouais. Tiens, c'est à ton tour si tu veux appeler Gilbert. J'ai pas envie d'y parler. Il va s'inquiéter. Qu'est-ce que ça change de toute façon? Oh, t'es loin, Jacques, ça n'a pas de bon sens. Je le sais. J'aimerais ça, là. J'aimerais ça aller te rejoindre. Je te conseille pas, Marie. Je sais que c'est con, cette affaire-là, Jacques, mais... Pourquoi tu demandes pas à maman de t'aider? À maman? Mais oui, de t'éclairer. À maman. J'ai des mauvaises nouvelles à propos de maman. Quoi? Elle est décédée hier. Ta façon de me remettre mon change? J'ai passé l'âge de jouer à ça. J'avais d'autres préoccupations, je sais pas si tu peux t'imaginer. Excuse-moi. Comment tu t'en sors?
bien, j'imagine. Je vais passer au bureau, puis je vous rejoins à l'église, OK? OK, OK, OK. Puis, non. Viens donc pas, je pense que c'est mieux de même. Tu me laisses-tu, là? Non, non. Loue-toi un chalet pour une couple de semaines. C'est une bonne idée, ça. Tu peux pas me penser de même, là. T'as besoin de moi. Tu sais, ces affaires-là, ça va, ça vient. Regarde-toi, par exemple. C'est pas un mois qu'on reste ensemble, puis t'es déjà tanné de me voir à la face. C'est pas du grand va-et-vient, ça, je sais pas ce que c'est. Ouais, mais on traverse une petite crise, là, c'est tout. Ouais, sauf que ça aurait été le fun que tu y penses avant de nous faire acheter une maison ensemble. Puis moi, j'assiste à ça un peu triste, un peu désolé, mais... pas sans envie pour te piquer une crise de scène ou bien carrément de mettre mon poing d'en face. C'est ça qui arrive quand on compte sur le monde autour, tu sais. On se retrouve tout seul avec un autre squelette à faire fitter dans ton hostie de placard qui déborde. Attends. J'ai rien que ça à attendre, puis j'en ai plein le cul. C'est drôle, mais à 2 heures de mettre ma mère en terre, j'ai juste envie de faire l'amour avec toi. C'est comme pour conjurer le sort, comprends-tu? Pour arrêter qu'il y ait de la mort partout. On devrait faire un enfant. Compris. Tu me demandes ça comme ça, là. Aujourd'hui. Comment tu veux que je te dise?
Je sais pas. Au resto, l'air de rien, tu me demandes « On fait-tu un enfant? » Je te réponds non, on demande l'addition, puis on n'en parle plus jamais. Tu t'en vas à New York pour 6 mois. Donc, t'es pas contre l'idée? T'es plus fou que moi, je pense. Non. Je t'aime. Je me demandais si ça vous tentait de venir prendre une marche. Je peux pas. J'attends un lift. Je m'en vais à un enterrement. Oh! Un proche? Oui, assez. Oh, désolée. C'est la mère de Jacques puis Marie. Mm. As-tu toujours une érection quand tu parles de la mère de tes amis? C'est mes clés. Ah, désolée, c'était trop tentant. Ben, mes sympathies. Merci. Ça doit t'empêcher d'écrire? Ben, ça faisait 2 jours que j'étais bloqué, mais là, c'est revenu. La vie trouve toujours son chemin. J'ai envie de t'embrasser. Ah bon? Si tu veux, toi aussi, on pourrait peut-être. Je peux-tu y penser? Combien de temps? J'ai dû emmener un joint. Arrête de niaiser, ça va nous attirer malheur. Elle peut pas nous entendre, le cercueil est certifié étanche. Oh. Oh non. Oh non, mes douleurs dans le bras qui recommencent. Oui, ben vous rirez pas tout à l'heure quand je vais m'écrouler à vos pieds. T'es de la bonne place, là, si t'as envie de t'écrouler. Ça va être beau quand tu vas être enceinte, toi. Oh, comment c'est pas, là? C'est pas fait. Ah,
La vie trouve toujours son chemin. La vie trouve toujours son chemin. Allez-y, on va aller vous rejoindre, ok? T'es sûr? Je ne sais pas. T'es pas tout seul. C'est l'humain.